Bonjour, aujourd'hui je vous parle du dernier volume de la série Blast, le chef-d'œuvre de Manu Larsenet, ce polar complètement déjanté qui prend aux tripes. Voilà, nous avons enfin la conclusion avec ce quatrième tome, les aventures de Polza Mancini, enfin aventure, on suit plutôt la vie de cet écrivain qui s'est volontairement clochardisé, qui s'est exclu totalement de la société, et qui subit ce qu'il appelle des blasts. Les blasts sont des espèces de chocs hallucinatoires où il voit apparaître devant ses yeux les statues de l'île de Pâques, et il se sent dans un état second toujours à ce moment-là. Mais Mancini, on le découvre surtout, l'album commence dans le premier volume, nous sommes dans un commissariat de police, et Mancini est interrogé par deux inspecteurs. Et au fur et à mesure du récit, on comprend que Mancini a fait quelque chose, ou a été témoin de quelque chose. Mais quoi? Et là, la force de Manu Larsenet dans son récit, c'est que on tâtonne, on avance petit à petit, on se pose des questions, on voit cette vie de clochard, cet homme qui vit dans les bois pendant l'été, qui essaye de trouver des refuges solide pendant l'hiver et qui rencontre tout le milieu interlope, des SDF, des marginaux, etc., qui sont souvent des gens qui ont une grande consommation d'alcool, parfois toxicomanes, avec énormément de violence. Et donc si Mancini est aux mains de la police française, c'est qu'il a fait quelque chose ou qu'il a été témoin de quelque chose. Mais quoi? Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, on sent que les inspecteurs marchent sur des œufs, que Mancini est un personnage qui a l'air très intelligent, mais légèrement soit psychotique, soit psychopathe. On le découvre au fur et à mesure que nous avançons dans le récit. Et le quatrième tome nous donne toutes les réponses, et ma foi, les réponses sont comme les trois précédents volumes, effrayants, prenants, ça vous fait dresser les poils sur les bras. C'est vraiment un récit très fort, très puissant, d'une noirceur presque dérangeante, ce qui est assez surprenant quand on connaît l'œuvre de Manu Larsenet, qui est plutôt connu pour son côté humoristique, mais là il a vraiment attaqué une partie sombre de son œuvre. C'est Blast, c'est aux éditions d'Argo, c'est fait par Manu Larsenet et c'est un petit chef-d'œuvre.